bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la malle Look Hero. Alors ça fait longtemps que je ne l'avais pas commandée, je n'ai pas d'abonnement, je la commande quand j'ai envie. Et ça faisait un moment parce que les frais de Personal Shopper... Ah, j'ai ma fille qui rentre, hello! Voilà, les frais de Personal Shopper sont à 10 euros. Vous les récupérez les 10 euros si vous achetez quelque chose. Mais s'il n'y a rien qui vous plaît, bah c'est perdu, voilà. Donc, elle est là, hop, elle m'a l'air, avant elle était plus grande, elle est plus petite, je sais pas, et elle m'a l'air assez légère. Alors, est-ce qu'ils ont mis des vêtements de printemps, d'été, j'en sais rien. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a des couleurs que j'ai dit que je ne voulais pas, comme le gris, le noir, j'en ai un peu marre, enfin voilà. Et des choses un peu originales. On va voir ça tout de suite. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de parrainage, s'il y en a, si je crois qu'il y en a un, je vous le laisserai. Et quoi d'autre? Rien d'autre. On va ouvrir, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est 5 pièces seulement. C'est pas comme Plumaya qui a 2 looks ou 3 looks, ou comme Click and Fit qui ils essayent de vous faire des looks. Là, c'est 5 pièces. On ouvre et on voit ça tout de suite. Alors, déjà, une petite lettre. Une petite lettre. Donc, aucun frais de retour ni de livraison, ça on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, une planche de style, je ne vais pas trop regarder sinon je vais me spoiler. Et un petit mot, est-ce qu'ils vont spoiler ou pas? La facture, je vais mettre de côté. Je suis Ben. Ah, je crois que j'ai déjà eu Ben. Votre nouveau styliste et j'ai pris beaucoup de plaisir à concocter pour vous cette nouvelle sélection qui, je suis sûre, vous ira à ravir. Bah, je demande que ça. Et apportera de la nouveauté dans votre dressing. Bon, après, ça spoil, donc je ne vais pas lire. Voilà, je verrai après. Donc, on commence. Je passerai aux essayages après. Ah, déjà, je vois un truc là, ça ne me plaît pas. Voilà, déjà, un truc là, je ne suis pas plus emballée que ça. Un t-shirt. Ah, si, il est joli quand même. Si, si, il est joli. Il est assez léger. Et il est, regardez, avec des petites paillettes dorées. Il n'est pas... Ouais, c'est bien des couleurs que je ne voulais pas. C'est-à-dire que moi, le bleu marine et le gris, je ne suis pas fan du tout. Et là, je vois, c'est du bleu marine. C'est génial, hein. Hop. Mais sinon, il est joli, hein. La matière et tout, il est plutôt pas mal. Est-ce que je vous donne les prix de suite? S'il y a écrit là-dessus, 24,99 €. Pour un t-shirt basique, la marque, c'est Moon Mood. Voilà. Pour un t-shirt basique, ça reste quand même assez cher. Hein. Voilà. Il est joli quand même. La matière est sympa. D'ailleurs, je regarde, c'est quoi comme matière? Il y a du chamboule, du remue-ménage chez moi, là. La matière, 75% coton et 25% polyester. Ouais, c'est pas mal. La matière est plutôt pas mal. Je continue. Ah, ça, c'est joli. Toujours la même marque, Moon Mood. Vert. Alors, vert, j'aime bien. Là, c'est une chemise. Chemise blouse. Je ne sais pas comment vous dire. Elle est très jolie. Franchement, elle est... regardez. Sur le haut, elle est comme ça en froufrou. Les manches ballon. Au niveau du poignet, un élastique. Mais vous savez... smoke, je trouve ça plus sympa que l'élastique basique. Des boutons, donc col en V, on verra mieux porté, hein, j'ai envie de dire, et des boutons tout le long. Elle est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a le prix là-dessus? Le prix 39,99 €. Bon, c'est une chemise. Voilà, la matière est plutôt sympa. Enfin, sympa, c'est du polystyrène, ça, polystyrène, du polyester. Il y a des chances. Il y a des chances. 100% polyester, lavage à la main. Ah, ça ne me plaît pas quand il y a écrit lavage à la main. Bon. Mais sinon, très très joli. Je continue. Ah, du vert encore. Alors, c'est un pull léger. Un pull léger quand même, voilà. Ils adorent mettre des strass. Hein. Voyez, à strass quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont avec les strass? Col en V. Et la marque, c'est Indie plus moi. Je ne connais pas du tout.
Pas du tout. Est-ce que c'est une petite boutique indépendante? Le logo est très sympa, mais il n'y a pas le prix là-dessus. Ah oui, quand même. 44,99€ pour un pull léger. Ça fait cher quand même, hein. Ça fait cher. Je continue avec ça. Alors, un jean. Je me demande si je ne l'ai pas déjà, celui-là. Alors, un jean de la marque Only. Only. Hop. C'est un blush skinny Midwest en quelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 44,99€. Ils se sont lâchés, hein. Alors, comme ça. La taille m'a l'air très petite. Pourtant, c'est du M. Alors, est-ce que c'est bien élastique? Je ne sais pas, mais la taille a l'air petite. Et en bas, c'est comme ça. Donc, c'est joli. C'est pas mal, c'est joli. Mais j'ai déjà pas mal de jeans. Et la taille m'a l'air quand même petite, hein. Je sais pas. Et la dernière pièce, enfin, avant de passer aux essayages. Alors, c'est joli, mais j'ai peur parce que c'est la marque Ishii. Je vous montre. J'en ai déjà des vestes comme ça. Ishii. Elle est très jolie. Ses vestes sont très, très belles. Mais je sais aussi que c'est très, très cher. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'être dans une prison quand même, toutes ces rayures-là. Après, ça peut faire sympa. Mais des épaulettes, finition très bien. Elles ne sont pas doublées, ces vestes, mais ça ne me dérange pas. Elles sont quand même bien finies. La matière est très très belle. Mais je sais que le prix, je m'y attends, hein, bien dans les allez, 50-60. Ouais, c'est bien ce que je pensais. 69,95. Là, il y a des chances que je ne la garde pas parce qu'en plus, j'en ai des vestes. Et puis, les rayures, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Bon, ben on en a fini. Je ne vous ai pas dit, mais on a une pochette retour pour envoyer ce qu'on ne veut pas garder. Voilà, la facture totale. Est-ce que je vous l'annonce ou pas? Elle est où, la facture? Elle est là. Ou je vous l'annonce après? Je ne sais pas. Si je veux vous l'annoncer de suite. Alors, sous total, sans réduction, mais il n'y a pas de réduction. Avant, je crois qu'il y avait 20 ou 25, il n'y a rien là. Non, il n'y a rien du tout en fait, si on garde tout. Ouais, c'est pas terrible. Donc, 224,91€ quand même. Voilà. Si j'enlève ce que j'ai déjà payé, c'est-à-dire les 10 euros de Personal Shopper, mais que j'ai déjà payé, je vais en avoir pour, j'avais aussi un crédit de 5, 209,91€ pour 5 pièces. Bon, c'est pas ouf. Bon, on va passer aux essayages et puis on va voir tout ça. Alors, les essayages, j'ai changé de pièce parce que je me suis isolée dans la chambre de ma fille parce qu'il y a un remue-ménage. Donc, j'ai passé le t-shirt à paillettes. Voilà. Avec le jean. Alors, je monte là-dessus. Alors, le jean, c'est parfait. La taille en longueur, il est nickel. C'est franchement, je ne pensais pas qu'il m'allait, mais bon, on ne voit pas très bien. Mais voilà. Il est nickel. Je vais te faire, attends, comme ça. Ah, ça ne tient pas. Voilà. Donc, il est vraiment, il est très, très joli. Nickel, bien, vous savez, on peut bien machin bouger et tout. Le bas comme ça, donc c'est nickel en fait, hein, ça me va pile poil en bas. Ouais, j'aime bien. Après, t-shirt à paillettes, je le trouve trop large. Vous voyez, je le trouve trop, je me sens pas forcément à l'aise. Bon, je vais voir, mais je sais pas. Bon, je vais garder le jean, je vais passer. Tiens, j'ai passé la chemise tout de suite. Non, je vais passer le pull, vous savez, par-dessus. Comme ça, on va voir directement ce que ça donne. Paillettes avec paillettes, hein. On est à fond dans les paillettes. Hop. Voilà. Mais il est pas. Ouais, je suis pas à l'aise avec l'autre t-shirt. Franchement, je suis pas à l'aise. Voilà. Alors là, que dire? Il est pas mal. Il est pas mal. Je vous montre. Il est plutôt pas mal. Mais bon, est-ce que j'ai envie de paillettes? Je sais pas.
Sinon, il est plutôt joli. Il est assez léger pour la saison qui arrive. Les manches, ça va. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. À voir. Je vous passe la veste. Comme ça, je vous fais tout en direct. Hein, vu que c'est... hop. Vu que c'est un jean et puis que ça va avec tout. Hop, je vous passe la veste. Alors, la veste... J'en doute même pas qu'elle, je suis sûre qu'elle est très très jolie, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Parce qu'en plus, j'adore ces vestes, les vestes ici. Voilà, j'en étais sûre. Elle est très très jolie, franchement. Regardez, elle est vraiment très très. Je me baisse un peu pour que vous voyez. Elle est vraiment très très sympa, hein. Pile poil, la bonne longueur. Voilà, je peux l'attacher. Hop, elle fait comme ça. Franchement, je la trouve très très jolie. Après, est-ce que j'ai envie de donner ce prix-là? Je ne sais pas. Voilà. Très, très sympa. Franchement, j'ai tendance à laisser les vestes ouvertes, moi. Comme ça. Donc, avec un jean, franchement, ça fait super joli. Bon, je vais passer la chemise par-dessus, comme ça. Ce sera fait. Hop. Hein, comme ça, on aura tout fait en un seul essayage. Hop là. Voilà. J'ai gardé le t-shirt en dessous. Alors la chemise, par contre, elle est très jolie. Je vais la rentrer pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. La chemise, regardez. Elle est vraiment, même là, à ce niveau-là. Vous voyez? Elle est vraiment très très jolie, hein. La chemise, j'aime beaucoup, beaucoup. Les manches, en plus, elles ne sont pas très longues. Vous savez, elles sont pile. Pile poil. Non, franchement, la chemise, il y a des chances que, voilà, je la garde. Même si elle est en polyester 100%, franchement, très, très jolie. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, magnifique. Attends, je la mets, hop, magnifique. Ouais, superbe. Bon, ben, j'ai fini avec les essayages. Vous voyez, ça va vite, hein. Alors, je vous reprends dans la chambre de ma fille pour être au calme. Donc j'ai gardé la chemise, franchement, elle est très très jolie. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette malle. Moi, je suis mitigée. C'est-à-dire que tout ce qui a paillettes, ça fait beaucoup trop de paillettes. Après, voilà, ça peut faire sympa, mais bof. La chemise, j'aime beaucoup. Le jean, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai déjà pas mal de jeans. Est-ce que j'ai envie de le garder? J'en sais rien. Je crois que d'ailleurs j'ai déjà un jean comme ça, vous savez, qui est comme ça là, en bas. Donc je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Si vous avez aimé également cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air de ce côté. Ça me fera plaisir. Si vous avez envie de vous abonner et si je retrouve mon lien de parrainage, je vous le mettrai en barre d'infos. Je crois que ça vous donne droit à 15 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Il faut que je regarde. Voilà. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et vous ne raterez aucun bon plan, aucune vidéo. Voilà, j'en ai fini avec la Look Hero et sur ce, ben, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais de gros bisous.